Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Ah, waouh, c'est extraordinaire. Nous sommes sur ce bord. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne mettez pas à cette vidéo parce que ce que nous allons même voir maintenant va faire tomber votre casque. Asseyez-vous bien. Que se passe-t-il quand les femmes ont de l'argent? Mes frères et sœurs, suivez-nous dans nos studios pour voir ça. Un truc de ouf, un truc de ouf. Franchement, ça fait peur. Je pense que c'est de la blague et que nous sommes en train de vous raconter des histoires. Regardez même ça! Incroyable, mes frères. Regardez. Ça, c'est ce qui se passe quand les femmes ont de l'argent. Regardez les femmes. Ouh, c'est devenu un truc des réseaux sociaux, la concurrence et le travaillement. Le travaillement, qu'est-ce que c'est que le travaillement? Le travaillement, c'est tout simplement simple. Ça, c'est la partie où les gens. Pour faire plaisir à quelqu'un, j'ai de l'argent comme ça sur vous, juste pour vous honorer. Et ça ressemble à ça, ce que vous êtes même en train de voir ici. Et c'est ce que les femmes sont en train de faire depuis. Sinon, elles exposent leur liasse de pieds de banque sur les réseaux sociaux. Oh, nous, avant, on pensait que c'était les hommes seulement qui faisaient ça. Ah, mais dis donc, qu'est-ce qui ne va pas? Les choses ont changé. Les femmes ont commencé à avoir de l'argent. Et regardez ce qu'elles sont même en train de faire. Oh, non. Ici, ce sont les hommes d'abord. Regardez ce que les hommes font quand ils ont de l'argent. N'importe quoi. Regardez. Que du n'importe quoi. Regardez. Que du n'importe quoi. Il y a deux filles devant lui. Il a de l'argent. Et il fait tomber ses pieds de banque là. Sur les filles là, juste comme ça. En position bizarre. Voici le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et c'est ça, on l'appelle même la vie. C'est ça, on appelle la vie. C'est ça, on appelle la vie. C'est même ça, on appelle la vie. Et ils appellent ça le dégommage. Regardez, c'est écrit le dégommage. Que des trucs nuls, des trucs inutiles. Voici ce que les gens font de leur argent aujourd'hui. Regardez. Que des choses inutiles. En font des gens. Ah. Bon, nous ne sommes pas là pour parler des hommes. Nous sommes là pour parler des femmes. Les femmes, vous avez la même raison. Attendez, nous allons vous montrer. Nous allons vous montrer. Ne soyez pas fâchés. Ça va aller. Ok. Attendez. Regardez même ici. Regardez même ici. Quand Dieu nous dit de ne pas aimer le monde et les choses, c'est moi. Vous devez croire. La Bible, la parole de Dieu ne ment pas. Ça ne ment jamais. Bon, regardez ça d'abord. Quand la femme a de l'argent, voici ce qu'elle fait. Un, deux, deux, ou. Elle a beaucoup d'argent, elle a placé ses billets de banque sur le lit comme ça. Ah, il faut que je montre ça aux gens, les gens, que les gens voient ce que j'ai. Regardez. C'est pas de la blague, c'est pas de la frime. Ça, c'est encore rien. Tiens, ton ami à côté, c'est encore rien. Tiens, ta soeur à côté, c'est encore rien. Tu n'as encore rien vu. Faut lui dire qu'elle n'a encore rien vu. Voici ce qui se passe quand les femmes ont de l'argent souvent. Vous voyez une femme qu'elle a et elle compte ses liasses de billets de banque parce qu'elle ne peut pas faire ce qu'on appelle le travaillement. Beaucoup d'argent. On les compte et on les filme. Pour les snaps. Vous les voyez, filmer pour les snaps. Voilà. C'est de l'argent, c'est pas de la blague, c'est pas histoire. C'est de l'argent que vous voyez même juste en bas. Des billets de banque, voilà. Là, vous voyez bien. Et on ne peut pas faire quoi? Le travaillement. On va jeter de l'argent sur les gens et on va se filmer un peu pour que les gens puissent voir quand même ce qu'on a. Ah! Est-ce que c'est même important? Bon, avant d'aller plus loin, regardez ça. Voilà, là on présente les pieds de banque. Des liasses, des pieds de banque. Regardez les liasses, les liasses. Un truc de ouf. Vous voyez ça? Waouh! Voici ce que les femmes font quand elles ont de l'argent. Un truc de ouf, un truc de ouf. Personne ne sait comment elles font pour avoir de l'argent. Peut-être qu'elles sont des entreprises, elles font des trucs, mais c'est comment elles utilisent leur argent et comment ça se passe souvent sur Internet. C'est vraiment pas, c'est parfois bizarre. C'est vraiment étrange. Bon, regardez encore une autre femme ici qui va juste nous montrer ce que ça fait. Voilà. C'est ça le monde. Dans le monde, il faut un peu impressionner les gens. Regardez. Pas de la blague. Hein. C'est bien réel. Voilà, on chante pour vous. On jette de l'argent. On fait maintenant.
Et ça, ça s'appelle le travaillement. Ça s'appelle le travaillement et c'est exactement ce qui se passe. Regardez, regardez. C'est exactement ça. Voilà. 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 On danse. On fait les choses. Ça a l'air chic, hein? Ça a l'air impressionnant. Ça donne même des idées à certaines femmes. Elles veulent aussi aller tenter le coup, voir ce que ça donne. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe dans le monde. Ah! Les femmes! Vous avez de l'argent, c'est ce que vous faites. Comme vous avez de l'argent, c'est ce que vous faites souvent. On appelle ça même un dégammage. Chez nous, on appelle ça le travaillement. Le travaillement. Ah! Vous avez vu que c'est effectivement ce que nous sommes en train de raconter. Hein? Le travaillement consiste à jeter de l'argent comme ça pour faire plaisir à quelqu'un. Et puis bon, se fait un peu voir. Vous voyez, c'est le matu vu. On voit un peu des trucs. On se filme, on se montre sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent un peu parler de nous. Parce qu'il faut exister, il faut qu'on parle de nous. Quoi? Donc c'est ça le truc? Sérieux, il y a ce monde? Mais pourquoi tu m'as pas dit? Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Ce sont des choses inutiles. Ça ne sert à rien. Tu n'as pas besoin de t'exposer comme ça. Tu peux agir dans le secret. Mais pour l'instant, regarde juste, regarde pour comprendre et découvrir ça. Peut-être que tu n'es pas informé. Regarde même ça encore. Une femme se prépare à travailler ici. Et là, il y a des vins moussés dans. Je ne sais même pas quoi, comment ça s'appelle. Je ne suis jamais allé dans un endroit pareil. Et comme on peut voir, les gens sont décrits ce nom. Et cette femme va faire un truc. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Oh, elle va faire un truc. Regardez bien, regardez bien. Oh, elle a jeté de l'argent. Et tout le monde fait du bruit, on crie son nom. Eh bien, j'hallucine ou quoi? Attends. Si mon frère, ma soeur, si tu veux me donner de l'argent, en dessous de cette vidéo se trouve un lien. Un lien PayPal. Bon, c'est pas un lien, mais. C'est notre adresse PayPal. Sinon, tu peux cliquer sur un second, tu vois, ça pas d'accueil. Tu vas voir en haut dans PayPal. Ou bien tu peux même, si tu regardes nos vidéos via ton portable, tu prends ton portable, tu vas, comment on appelle ça? Dans à propos de notre chaîne YouTube, tu vois, dans à propos. Tu vas voir dans PayPal. Tu peux faire dans PayPal la banque secret. Mais tu es venu jeter là-dedans sur moi comme ça, putain, on va voir. Comment je vais me sentir? Est-ce que je vais me sentir bien? En général, quand c'est filmé, les gens aiment vraiment ça. Vous savez, les gens ont besoin d'amour, les gens ont besoin de la gloire. La gloire quand même là, est-ce que ça fait du bien? Peut-être que ça vous fait du bien, peut-être que ça aide. Mais c'est le game. C'est le game qui impose ça. Et les femmes là, ces femmes là, pour se faire remarquer, pour elles ont besoin de le faire. Surtout quand elles ont de l'argent, elles ne savent pas comment gérer tout ça. C'est même trop. Moi, est-ce que moi je pense si c'est de la blague et que vous pensez que c'est de vous raconter les histoires? Regardez encore ça. Un truc de ouf. Et j'ai des billets de banque, des billets de banque sur ce temps en train de chanter. Et heureusement, c'était ce moment. Après, quand je suis modé ça aujourd'hui, un truc de ouf, un truc de ouf. Voilà. C'est pas de la base, pas de la fin. C'est bien, 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 bien réel. Et ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà. On jette un peu de l'argent. Et c'est ça les différentes femmes. Hein. Vous voyez que c'est devenu un peu de la mode. Elle au moins, elle met l'argent là dans la main. Hein. Regardez, main à main, elle jette de l'argent dans la main. Voilà. Ça, au moins, c'est mieux. Ça, au moins, c'est mieux. Elle met de l'argent dans la main. C'est bien. Bon, au moins, elle a mis de l'argent de la main, main à main. Ouais, c'est ça, moi, c'est un peu prenable. ou bien, mais c'est que de là qu'on vous montre. Aïe, 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 aïe. Là, même, c'est du lourd. Regardez encore ça. Est-ce que vous voyez? Faites-vous quelque chose? Écoutez, est-ce que vous êtes même abonné? Abonnez-vous maintenant. Abonne-toi. Si tu penses que nous sommes en train de bien faire pour te montrer cette vidéo, tu as des vrais conseils après, hein, donc faut après en même temps. Tu cliques ici pour que tu penses qu'on a bien fait monter cette vidéo. Clique si j'aime. Partage la vidéo. Et écoute bien. C'est que, regarde bien ce que nous sommes en train de monter. Nous ne sommes pas te montrer ça pour recoller. Hein. Tu vas voir ce qu'on va te dire après.
Reste jusqu'à la fin. Parce que ça, c'est pas de la blague, c'est pas de la fume. Les femmes aujourd'hui sont très bien bâties. Elles ont un corps hors du commun, mais pas seulement. Elles ont aussi beaucoup d'argent dans leur sac qu'elles jettent lors des concerts, des artistes. Et c'est exactement ce dont nous sommes en train de vous parler. Et vous entendez que son nom. Ça s'appelle le travaillement. Le travaillement. Et les femmes ont décidé de prendre le pouvoir. Et les hommes vont maintenant commencer à chanter. Là, les hommes chantent et les femmes font le boulot. Regardez. Un qui de ouf, un qui de ouf. Et regardez, on crie son nom. Elle allait heureuse, elle allait contente. Elle s'est dit accomplie, elle vient de faire quelque chose de grand. Et les gens ont parlé un peu d'elle. De toutes les façons, elle a de l'argent, elle a le pouvoir. Et il faut qu'elle se monte un peu, elle s'amuse. C'est de l'enjaillement. Ah! C'est de l'enjaillement, sérieux? C'est de l'enjaillement, c'est comme ça on se jaille? C'est comme ça on s'amuse chez vous. Mais j'étais pas au courant! Bon, vous allez voir ça. Peut-être que vous allez comprendre. On est plus loin, regardez. Le show continue. Encore cette affaire de travaillement. Nous ne comprenons rien, mais on vous montre ça. Expliquez-moi ce qui se passe ici, ce qui se passe ici. Que se passe-t-il ici? Bon, regardez très bien. Waouh! Un chat fait le nom de la personne. Mais comme vous regardez déjà au fond, elle fait sortir de l'argent de son sac. Et le DJ dit que ce ne sont pas des femmes bizarres. Ce sont des femmes qui ont de l'argent, qui ont des sous. Elles sont ready, comme on dit chez nous. Elles sont prêtes. Et ça ne fait que sortir du sac. Des billes de banque. Voilà. C'est exactement ça. Et regardez très bien. Ah là là, je pense que vous voyez un peu bien. Waouh! Et lui, il chante, mais il est dépassé. Il pense qu'il va mourir. Parce qu'il doit chanter pour qu'elle travaille sur lui. Plus il chante le nom de la femme, plus elle donne de l'argent. Apparemment, ce jour-là, elle est venue nous montrer ce qu'elle a dans la poche. Et depuis, elle ne veut pas s'arrêter. Elle ne veut pas s'arrêter du tout. Elle veut nous montrer exactement ce qu'elle a. Elle monte à mettre son amour pour l'artiste devant les gens. Et c'est même ça le show. C'est même ça le show. Quand ça se passe ici, on dit faut tuer. Regardez. Ah! Waouh, regardez même jusqu'à elle jette un peu d'argent même sur le public. Elle donne un peu à ses collaborateurs à gauche et à droite. Elle donne à l'artiste, elle jette un peu sur les gens. Elle donne un peu aux gens. Ok. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est une bonne action. Au moins, elle a donné de l'argent à quelqu'un. Ça va aider cette personne-là à s'en sortir. Tout. Aïe. A fait d'argent. Ça, c'est un truc de ouf. C'était chaud, hein? Ou bien? C'était même chaud, hein? Oh, les femmes. Quand les femmes ont de l'argent, c'est même bien. Mais quand elles arrivent au stade où elles commencent à devenir jalouses l'une de l'autre, là, à quoi même ça ressemble? On a surpris deux femmes comme ça, qui ont de l'argent comme ça, qui se sont bagarrées. La vidéo est là. On va vous montrer. Et nous, on se pose la question, mais qu'est-ce qui peut amener deux femmes qui ont de l'argent comme ça à se bagarrer? Et les gens ont des portables, hein, tout en train de filmer ce qui se passe. Ah, toi, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est pas ta cousine du quartier. Tu filmes, sont pas là. Pourquoi? Pour regarder ça. Regardez ça. Parmi les filles que nous avons montrées, il y a deux qui se sont retrouvées face à un problème sérieux ici. Où il y a vraiment une histoire de bagarre. À cause de quoi? Les gens disent que ce sont les hommes qui divisent les femmes. Ou c'est l'argent aussi. Mais là, apparemment, c'est un homme qui a divisé. C'est ça le problème d'homme. Et ces filles qui sont là, que vous voyez même les camps, elles sont même montées de filmer ça, elles se disent,
Ah, mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est de la bagarre. Ouh, finis pas, quelle humiliation. Au lieu d'aller se séparer, tenter de filmer. Ah, tu l'as dit. La bagarre, Coco Nathalie. Elles sont même sous le choc. Et ça se passe devant. Waouh. Un, deux, deux, ouf. Un, deux, deux, ouf. Quand on dit vanité des vanités, tout est vanité. Vraiment, ça va de la mode. À quoi ça sert d'avoir tout cet argent? Si à un moment donné, la bagarre peut arriver à cause de moi. L'argent ne peut pas tout faire. Ça, c'est vraiment clair. Vous pouvez bien faire les choses. Nathalie, quoi? Biscuit de mer. Waouh! La honte! Et la fille dit, oh la honte, ça veut dire ce bagarre, la honte. Et même le choix de l'autre, ça va. Regardez comment c'est devenu. Voilà. Quand je ne sais pas ce que Dieu demande de faire là, ça se termine à Coco Baga. Coco Baga. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Nous tous ici, sur toi, sur Dieu, non. On doit même marcher sur la volonté de Dieu, non. Les gens sont là en train de faire tout et n'importe quoi, même juste pour impressionner les gens ou encore le public. Moi, je ne comprends même plus rien. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? C'est tout doux ou c'est tout doux ou. Ma soeur, si tu as de l'argent, que Dieu fait un don. Fais un don dans le secret, tranquille. Suis ta vie tranquillement. Il y a même une femme, même aussi, qui a beaucoup d'argent. Elle. Ça, on ne sait pas où elle est entrée, elle a beaucoup d'argent comme ça, vu les exposés sur les réseaux sociaux. Elle ne sait pas que la police a cherché aussi. Dès qu'elle est venue exposer, elle a dit qu'ils sont venus l'attraper. Il y a une autre fille, parce que c'est aux États-Unis. Elle allait braquer. Elle allait dans une banque, elle allait faire du sale là-bas. Elle a vu de braquer là. Elle a fait ça d'une manière tellement stratégique que personne n'a su que c'était elle. Si elle restait tranquille, personne ne saurait que c'est même elle qui a fait ça. Elle arrive à la maison. Tellement elle a fait un bon boulot d'après elle. Elle a commencé à se prendre en photo. Pac, c'est filmé. Beaucoup. Bah. Ça n'a même pas duré. Vous savez que là-bas, tout est rapide. Tout de suite. On l'a attrapé en même temps. Et c'est tout sur le barreau. À cause des gens, à cause de la bouche des gens, que les gens disent ah, je suis comme ça, je dis l'argent, je suis belle. Le buzz, c'est juste pour une semaine. Si c'est trop là, c'est même un mois. Et après, ça passe. Ce même que ceux qui même vous allez jeter de l'argent, la même risque encore de vous insulter. Si vous ne faites pas attention, hein, ils risquent de vous insulter, même parler de vous. Vous serez là, comme ça. C'est de quoi? C'est pas moi qui t'ai aidé. C'est pas moi qui t'ai. Tu as tout ce qu'elle fait pour toi. Ah, c'est comme ça que tu me traites. L'homme n'est pas reconnaissant. Si tu peux aider, il faut aider sans rien attendre en retour aussi. Hein. Parce que il y a des trucs. Voici ce qui se passe quand les femmes ont de l'argent. Les femmes que nous avons montrées là, elles sont des entreprises. Hein. C'est pas qu'elles sont là juste en train de rigoler avec les gens. Elles sont des entreprises, elles ont des business, elles gèrent leur business. Mais quand il y a des shows, des événements comme ça, elles font parler d'elles un peu sur les réseaux sociaux, de la sorte. Et en plus, les gens continuent à parler d'elles et parler de leur business, de leur entreprise. C'est un peu un marketing. Comme on le dit, c'est le milieu qui le demande. Nous vous avons montré. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez bien ce monde-là? Ce monde-là. Tu jettes de l'argent sur les gens. Qu'est-ce que ça fait? Ça te rend grand. C'est-à-dire, quand tu jettes de l'argent sur les gens, et puis tout le monde te voit, c'est toi qui reçois la gloire, parce qu'on va crier ton nom. Or, quand tu fais un don à quelqu'un, et que c'est en secret là, c'est Dieu qui te bénit. Et il va te bénir même d'une manière que toi-même tu ne peux pas comprendre. Et c'est ce que nous, on cherche. Quand tu fais un travail dans le secret pour Dieu, tu donnes dans le secret pour Dieu, tu aides le Seigneur dans le secret, Dieu te bénit aussi
même là où tu ne t'attends pas. Et ça, ce n'est pas une histoire de dire je suis un vrai chrétien ou bien je suis une vraie chrétienne. Ce sont les règles de la vie. Ce que tu sèmes, ce que tu récoltes. Si tu sèmes de bonnes choses, tu aides les gens. Un jour, tôt ou tard, toi aussi, tu vas se souvenir de toi en utilisant tes champs même que tu peux pas imaginer pour venir t'aider. Bon, moi, c'est ce que moi je pense. Hein. Le travaillement, tout ça, pour moi, ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses éphémères. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse aussi. Je suis bonne. On vous a dit de vous abonner. C'est déjà fait. C'est extraordinaire. Merci à tous. Que Dieu bénisse. Et préparez-vous pour une prochaine vidéo. Nous allons même faire le show ici. Maintenant, profitez de cette belle opportunité pour vous donner des vrais conseils. Nous sommes en famille. C'est parti. Que Dieu bénisse, frère et soeur. Prenez soin de vous.